Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, Fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deck list, une deck tech en standard. C'est assez rare en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité. Mais on a quand même trouvé des petites deck lists très sympathiques dont on avait envie de vous parler. Notamment l'évolution ultime de Naya qui avait commencé à s'entrevoir avec Kaldheim. On avait présenté très rapidement le deck en tout début de format. Voici sa mouture finale, le deck de Logan Nettle. Le deck avec lequel il a top 8 le Strixhaven Championship. On avait envie de partir en ladder et de partager ça avec vous. Donc voilà, on parlera du deck juste après vous avoir demandé l'anticipation de confiance, le petit pouce bleu si jamais la vidéo vous plaît. Et puis voilà, déroulez la description, rejoindre tous nos réseaux, que ce soit Twitch, que ce soit Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir, partagez dans les commentaires et vous abonnez. Il y a plein de gens qui nous regardent qui ne sont pas encore abonnés. Gratuit. N'hésitez pas, ça complètement gratuit. Prend pas beaucoup de temps et nous ça nous aide beaucoup, donc aidez-nous s'il vous plaît sur ça, sur un truc qui est vraiment très très simple. Yep, abonnez-vous et merci aussi à Playing by Magic Bazaar, code valet PL 2021 sur leur boutique, 50% de points de fidélité si vous l'utilisez. Ça régale parce que ça donne des points de des bons d'achat du coup, et ça fait très plaisir. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, parce que ça nous soutient. Et vous pouvez aussi nous soutenir en achetant vos jeux moins chers sur Instant Gaming, lien d'affilié dans la description. Évidemment, on en profite aussi pour vous dire que lundi soir, on sera en live pour l'ultime Rossez-vous de la saison 3, donc le dernier de la saison. On reviendra en septembre avec un nouveau concept, en tout cas avec une nouvelle saison et peut-être des nouveaux formats pour un Rossez-vous d'exception. Qui est le challenger de cette semaine? Laissez-moi vous dire que c'est juste l'ultime troll à deux têtes, PL et moi. Contre l'ultime Gazman. Donc Valet PL contre Raphaël Lévy, ça va être incroyable. En tout cas, on va tout donner pour le rosser comme il se doit. On a des beaux decks dans notre deck à tiers. Lui rappeler que YouTube, c'est dire la MPL, c'est là. YouTube, c'est là quoi. Ah, parce que quand même, on a un standing. Ouais. Et on va lui montrer notre standing en jouant extrêmement bien cette decklist de ce pas. Oula, tu t'avances un peu trop à mon goût. Oui. Ah, du coup, la synergie, vous aurez compris, c'est plein de petites bêtes. Ah oui, c'est vrai qu'on va pas parler du deck, mais je suis fou, moi. Non, mais on a déjà présenté une deck similaire. Mais à longtemps. Plein de bêtes qui font piocher des cartes grâce au tavernier. Donc la bête frappée d'amour, le géant Krakos, le tueur de géant. Sentinelle de Jaspera qui permet d'accélérer le deck et de se fixer également, parce qu'on joue quand même tricolore. Confrontation d'escalade, la meilleure carte du deck qui va permettre de refill notre main quand on a joué déjà plein de trucs. De continuer à piocher des cartes en jouant du coup en piochant avec Tavernier, ouais, qu'on a trouvé peut-être sur confrontation, et les deux tours suivants de mettre des marqueurs sur les bêtes pour aller juste beat down. Nouvelle carte, l'entraveur d'élite qui est excellente puisque du coup ça va très bien beat down quand on met les tokens dessus. L'esprit au clairon qui va permettre de générer un maximum de tokens à un fly qu'on peut aussi buffer avec la confrontation d'escalade, et le petit trick sympathique, magistrat de Dranit avec entraveur d'élite, la carte ne peut pas être jouée tant que le magistrat est sur le champ de bataille et que les cartes sont exilées. Et deux gardes à cross main deck pour se libérer un petit peu de place dans le board adverse. Ce que j'adore, c'est autant la decklist elle est un peu connue, ce que j'aime énormément de la part de Logan Nettle, pour avoir regardé par exemple les decklists de Brad Nelson et d'autres joueurs américains qui ont joué ce deck là, c'est plutôt son fine tuning, c'est à dire les choix qu'il a fait main deck, et ses choix ils sont incroyables. En fait, la garde à cross, les gens estiment que c'est une carte de side, mais dans ce format actuel ça pique Gargaros qui est main deck dans tous les decks Ultimatum, et juste pour ça la carte elle a beaucoup de valeur, de manière aussi un peu corner case, donc en tout cas pas évidente. C'est une super carte contre Cycling, et c'est vrai que nous notre deck il se bat pas vraiment contre Cycling, et Gardacross ça fait très très bien le taf contre ces decks là. Ça va piquer des dragons d'Orpon et tout, donc vraiment la carte en fait est incroyable main deck, et tu sens que les choix des quantités et tout de la part de Logan est vraiment très très bonne. Pareil, il y a ces trois Florédrons pour vraiment très rapidement s'accélérer dans nos confrontations, et les petits magistrats de Danit qui, au delà d'avoir une synergie sympathique avec l'entraveur d'élite, respectent aussi les decks Ultimatum. Pareil pour le side, hein, il y a des Redan pour retarder les decks contrôle, le petit se battre bec et ongle contre les dragons d'Orpon. Donc voilà, j'aime beaucoup les choix au-delà de la decklist, les choix de Logan Nettle, et on va aller tester ça directos. Standard avec plein de créatures finalement, même les decks contrôle, jeu des Orion, donc il y a toujours un truc à piquer avec la garde à cross. Garde à cross, C'est surtout que je te dis, toutes les versions Sulta Ultimatum, qui est le deck le plus joué du format, jouent des Gargaroth main deck maintenant. Donc ça te permet d'aller gérer les Gargaroth, ça te permet de prendre les Cosima. En fait, ça a vraiment des applications ultra spécifiques que piquer une bête. Non, c'est vraiment, tu vas emmerder le plan de jeu de ton adversaire, quoi. Et comme Monsieur Vorinclex se fait de plus en plus rare, on n'a pas trop de problèmes avec la carte morte. Ça dégage, ça. Bah, ça dégage, mais t'as ton tour 2 et ton tour 4. Hein. Avec un tour 3 où tu prends Giganta. C'est un peu moelleux quand même. En plus, on commence pas. C'est moelleux, mais moi, c'est. J'irais chercher une main un peu plus arrow. Tu penses vraiment que c'est pas bien, toi, ça, en game 1, sans savoir ce qu'on affronte? T'as tour 2 magistrat, tour 3 Giganta, tour 4 confrontation. Ouais, si tu pioches des landes, franchement, c'est rincé. Hein.
Moi, je pense qu'on peut aller chercher une bonne main. Moi, je la game 1, je la garde celle-là. Oh putain. Ça, c'est une main qui n'existe pas. Double confrontation. Mais je pense que la première main, elle est gardable. Ah, mais on pouvait franchement. Oui, on pouvait ouvrir mieux que ça. Les deux mains qu'on ouvre, elles sont pas bonnes, quoi. On peut ouvrir mieux que elles ça. Elles sont pas ouf, tu vois. Non, non, elle était pas ouf, mais envisageable, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut la garder juste parce qu'on a une séquence de play avec notre meilleure carte, quoi. Mais ça, ça arrive, c'est pas grave. Ça, c'est pour. C'est la vie. Ça, c'est pour nous donner un petit peu. C'est Dieu qui nous envoie des épreuves. Pour nous jeter de la merde au visage. Un petit peu. Pourquoi tu nous testes? Itération expressive. Meilleure carte du Strix 7 Championship. On joue contre les formats. Jeskai, c'est étonnant. T'as pas l'ancien historique? Non, j'ai pas l'ancien historique. Sinon, il jouerait pas ça, il jouerait des petits Ravland. Ravlandou. C'est parce qu'on n'a pas choisi les terrains, gros. Ah putain, con, c'est vas-y, fais refuser du coup. On est bête. En top des gardes accro, franchement, ça se met tellement mal. Ouais, mais on peut juste gagner parce qu'on va résoudre d'escalade. Hein. Si c'est match-up contrôle, ça va, ouais. Land et Giganta. Hein. Oh, même Midrange, je pense que ça doit être un. Même Midrange, ouais. Je pense que c'est un Izzet Dragon qui a juste un land qui se recycle. C'est pas Jeskai Mutate? Ah putain, ça peut être Jeskai Mutate. Censé être le meilleur deck de standard. Je sais pas si c'est le meilleur, mais celui qui a eu le meilleur win rate au Strix 7. Bon, confrontation. Ouais, je réfléchis. Il faudrait trouver quelque chose là, on fait rien. Alors on va commencer à faire, mais le problème c'est que j'ai peur qu'on respecte pas son. En fait, on peut lui faire croire à un anti-bet si on a peur qu'il parte en combo, mais. Ah, vu nos couleurs, je pense qu'il a vite identifié ce qu'on fait. Est-ce qu'il a des negate main deck ou il pourra avoir Sweet Coming? Nice. Oh, ok, on trouve des bonnes cartes. C'est très bon ça. Ce petit dragon sur son Tador. On pourra pas lander malheureusement pleine de l'exil si on veut jouer Tavernier Sentinelle. Ouais, je pense qu'avec le nombre de landes qu'on a en main, c'est pas très grave. On pleurera pas quoi. On peut ne pas faire cette value. On fera Sentinelle d'abord d'ailleurs pour mettre un marqueur dessus et que le tavernier reste 1-1. Je pense. Si tu veux pouvoir attaquer avec tes. Trop d'amour. Hein. Ouais. Ou alors on essaye de passer le tavernier trop gros pour qu'il ne puisse pas le tuer. Non, non, ouais, si il pourra le bouncer. Okay. C'est pas très grave. Bah, je crois qu'on va juste garder à Cross. On va tavernier garder à Cross, je pense. Ouais. Et prendre un contre-sort, globalement. Un peu ce qui va se passer. Il peut partir en combo là. Ouais. Ça va être un peu long hein, s'il part en combo. On avait. Bah on va voir, on va vite le sentir. On aurait pu lui faire croire un soul. Il part pas en combo. Ok. On aurait pu lui faire croire à un anti-bet. Tu veux garder la course en premier, non? Et je sais pas. Ça lui demande de sacrifier ses deux trésors si tu fais garde à grosse en premier. Il faut que je plaine avant par contre si je veux pouvoir faire garde à grosse et garder un mana vert pour tavernier. Ouais. Touche pas. À mon avis, il va toucher. Hein. Ok, il abolit. Donc c'est effectivement Jeskai Mutate. Bon, écoute. On va le laisser nous tuer s'il y arrive. Yep. Bah, tuer ce tavernier tranquillou. Ouais, mais il perd du mana. Alors que nous, ça nous a rien coûté, il allait partir. Ouais. Alors, il peut récupérer un Substantiate pour reprendre sa boucle. Ça dépend s'il a un Vadrock ou pas. S'il a pas de Vadrock, il peut rester en l'état. Hop. On a gagné du temps. Ah bah là, on a perdu. Avec Vadrock. Automatiquement parce qu'il a une substantielle dans le cimetière et il peut commencer à boucler avec son dragon. Donc là on peut plus le battre. Ah ouais? Il avait de quoi avancer dans le deck? Il a double une substantielle et Prismari Common. Ah oui, Prismari Common. Donc là il part en boucle. C'est fini. Ouais. Il va juste nous défoncer quoi. Clotis c'est bien. Et c'est tout en fait. On a plein de bonnes cartes, hein. Franchement, la tueur de géant et tout. Peut-être qu'il aurait pas joué son dragon si on avait laissé 3 mana up. Je me demande à quel point on aurait dû respecter ça.
On n'était pas certain que c'était... En fait, ça dépendait comment il allait combo. S'il partait sur Vadrock en premier. Ouais, on n'était pas sûr, quoi. Ah, il part toujours par dragon en premier, hein, parce qu'il peut pas muter le dragon par après. Ouais. Est-ce qu'il nous faut des esprits au clairon? C'est bien, non, Esprit au clairon, surtout quand on commence. Je crois que confrontation, peut-être on peut en cuter une. Ouais. La Et... carte clé du paquet, quand même, hein, mais c'est vrai que c'est un peu mou, quoi. Garde accro, est-ce que c'est pas trop lent contre lui? Ouais, ou un géant. Ça reste une gestion. Hein. Ouais. Franchement, garde accro, ça résout. Tu prends son dragon, il a perdu. Hein. Ouais. Donc, Surtout s'il a muté dessus. Il a déjà mis ses œufs dans le panier. Que tu piques tout le panier. Et nous, on pique tout le panier, ouais. Au lieu de piquer un œuf, on attend juste qu'il soit déposé dans le panier. Bon, après le deck, faut qu'il fasse un effort à un moment donné. Ah, ça va, pour le coup. Enlève bagarre. Ouais, garde accro, pardon. Ah, bagarre, c'est Non, bagarre, c'est bien. très très bien. Faudrait donc first, non? Je sais pas, parce que Floridron T2 ça fait confrontation T3. Tu veux pas faire esprit au clairon d'abord? Je sais pas. Bah, je suis plutôt chaud de m'accélérer, mais. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, mana vert, là. Oh, quoi que non, mana blanc en premier. Ouais, je On suis sait pas ce plutôt. qu'on pioche. Et au pire, on le posera, tu vois. Je suis plutôt. J'ai plutôt envie de Floridron. Le problème, c'est que ça nous demande un mana. Ça nous demande de trouver un mana rouge, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu chiant. Bah, tant pis, j'accepte d'avoir loupé le tour. Hein. Mais c'est vraiment genre prendre le play proactif au tour 3 contre lui avec confrontation, c'était tellement Gucci. Ouais. J'aurais bien voulu. Il suffisait de trouver juste une forêt ou une montagne, quoi. Tu peux lande rouge, esprit au clairon et passe. Non, et battre Et d'abord, bête pardon. frappé, ouais. Enfin, token. Ok, on a à la fois bagarre de bonnet rouge et se battre bec et ongle. Ça met du board tellement vite ce deck. Ouais. C'est des petits tokens, mais Après, il va nous pas faire le truc agressant. en fortel qui peut raser le board. Enfin, je pense qu'il a pas trop peur de ce board-là pour l'instant. C'est une espèce de pyroclasme? Ouais. C'est un pyroclasme qui se met en fortel, je crois. Ok, il avance. Pas mal ça, cette Lotis. Je crois qu'on va y aller. Ça peut lui enlever quelques ressources dans le cimetière. Ça n'empêchera pas de partir en combo. Mais si ça reste à long terme sur le board, si, ça va l'empêcher de partir en combo parce qu'il pourra pas recycler ses cartes de value. Ouais. Là, on prend dragon et c'est un peu chiant. Après, on va faire ce bat de Bekeon. Ouais. Ah, mais il peut contrer, c'est ça qui est problématique. Peut contrer. Je sais pas s'il rendait compte contre nous, mais il est à abolir. Il est obligé d'avoir un minima à abolir. On propose ce bat de bec et ongle et bête repé d'amour. Tu fais un Ouais. mana vert là. Hop là. Il peut unsubstantiate son dragon en réponse. Et je pourrais bagarre du coup. Ouais. Mais comme je l'aurais ciblé, il pourra aussi re-unsubstantiate, ça le problème. J'y vais. Vas-y, tente, hein. Parce que si jamais on attend, ça veut dire que je peux pas bête frappé d'amour dans tous les cas, donc autant y aller maintenant et lui donner une draw de moins. Eh ouais. Mais je pense qu'il a un deuxième contre. Il est fort ce deck, hein, Jeskai Vardrock, hein. Ah, vraiment, il fait des dingues, hein. Il est Ah, très juste. très fort. On déconne. Après, il a peut-être pas de quoi muter dessus. Hein. Ouais. Il a pas de quoi muter dessus, il va devoir le rejouer. Ah, c'est vrai qu'il le récupère quand même dans sa main. Ça dépend s'il a land ou pas. S'il a un land, il peut garder ses trésors qui vont faire double mana. Bah, S'il doit en sacrifier un, c'est pas mal. surtout, moi, ce qui m'intéresse là, c'est est-ce qu'il a de quoi muter? Qui peut aussi ne pas avoir de quoi muter. Bien sûr, land, c'est parfait. On peut de bloc, on 4 hein. préfère big bear. Ah, c'est très bien. Abolir. C'est plutôt une bonne nouvelle effectivement. Après ça aussi ça le fait avancer hein. L'autre truc c'est pas mal value aussi. Attends, on fait confrontation et tu vas voir de quel mana t'as besoin. Oui, c'est vrai qu'on pourrait jouer la carte avec confrontation, pardon.
Un petit drop 1 et un. Une gestion peut-être. Un drop 1. Attends. Si tu veux faire trigger ton esprit au clairon, il faut faire un mana vert sentinelle. Ouais. Du coup, il va nous manquer du mana. Il va manquer du mana rouge, mais. Un peu. Après, on a qu'une carte rouge en main, donc. Ouais, on a Clotis qui peut nous aider de toute façon. Aussi, ouais. S'il y a des landes exilées. Il avait pas de quoi muter. Oh, putain, il l'a. C'était... Mais ça, c'est sûr qu'il l'a. Il en a plein dans son side parce que c'est le truc qui le défonce le plus. Ouais. Mais il a pas de quoi muter pour l'instant. Donc s'il a pas de quoi muter, il y a Clotis qui peut aller au bout. Il nous tue en 4 tours, nous aussi. Enfin, il nous tue en plus, et puisqu'on gagne 2 PA. En l'état, tant qu'il mute pas, on va gagner cette game. Mais dès qu'il mute, c'est perdu. Donc là, il va recycler pour aller chercher. Et s'il mute, il peut reprendre ça pour avancer, créer des. Ouais. Peut-être qu'il fait confrontation en main phase 2. Si on tournait autour du pyroclasme. Je sais pas si on est mort là, on va quand même regarder un peu. On va voir, ouais. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Après, globalement, ce deck là, on l'a dit pendant le Strixhaven Championship, il est très très fort et en même temps pas si fort que ça, parce que dès que tu commences à interagir, tu te fais battre. Ouais. Sauf que là, nous, on joue un deck qui n'interagit pas, c'est pas notre plan. Mais alors, comme à chaque fois qu'on joue les decks qui n'interagissent pas, on prend les decks comme ça. Ça arrive. Et inversement. Mais il est beau ce deck là, moi il me fait kiffer. Hein. On pourrait avoir cela dit nos tueurs de géants, ça marche bien aussi. Ok, est-ce qu'il a moyen maintenant de d'avoir Lattice pour repartir ou pas? Nice. Commandement plutôt, ouais. Land. Je mets des marqueurs sur quoi? Je crois que tu mets 2 points face pour accélérer. Déjà. Ouais, on fait juste bête frappée d'amour. Ah, mais non, mais parce qu'il faut faire bête frappée d'amour et Floridron pour que la bête puisse attaquer. Donc on va juste pas jouer géant, je pense. C'est dommage, hein, tu gagnes un tour. Ah non, mais celle-là, elle est exilée avec confrontation. Non, c'est pas confrontation. Donc tu peux Floridron, géant Krakos et tu bête frappée plus tard. Ouais, c'est ça, mais il fallait savoir si elle était exilée ou pas à la base. Elle est pas exilée par, okay. Par confrontation. Pareil, hein, s'il a pas de Lord Drakis. Plutôt pas trop mal. Ok. Parce que là, en mettant des tokens sur le Floridon aussi, bon, il est mort. Putain, il est bon. On pouvait faire des dingues, hein. Suivant ce que c'est sa dernière carte en main. Okay. Après, il fait que creuser, hein. Il fait que draw 2. Il fait que creuser, ouais. Mais bon, ça pouvait brick, quoi. Ouais. Ouais, il est bon, à mais brick. Ça me choque pas. Genre, si ce deck-là, il bat pas ce match-up, ne le jouez pas, tu vois. Ouais. Donc, ça me choque pas. Après, là, il a quand même pas de létal, hein, tant qu'il a pas de Lord Drakis. Et vu qu'on lui a enlevé une substantielle. Ah non, putain, mais il en a repris une. Il en a retrouvé une, ouais. Genre, je vais quand même le laisser aller au bout, quoi. Genre, montre-nous. Parce que là, en mutant, il crée. Enfin, il fait double effet. Ouais, donc là, il fait. Abolir plus un point. Il va reprendre un Vadrock qui va pouvoir. Enfin, il va reprendre toute sa boucle, rejouer son dragon. Pourquoi il a pas attaqué avant? Parce que ça a la célérité, donc il peut le refaire dans tous les cas. Ça change rien. Ah oui, c'est vrai. Oh! Il a cassé le jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque et il a pas aboli. Quoi? Aboli, ça se dégage du coup. Pas compris ce qu'il a fait. Je pense qu'il a dû se row quelque part. Ouais, parce que là, s'il top deck pas, il a perdu. 2 points. Face, hein. Ouais. Mais la 4-3, il passe, hein. Je comprends pas, gros, ce qui s'est passé. Il pouvait rejouer son dragon, refaire de la value, commencer à partir en couille. T'as landé? Ouais. J'ai landé rouge pour pouvoir géant face. Ah ouais. Bah ouais, poteau, mais t'es mort en fait, Sunsong. Il peut boon ses Clotis. Ouais, mais dans ce cas, il va devoir trade son dragon, quoi. Ouais.
Genre, si son truc c'est Bounscoty, ça a quand même perdu. Hein. C'est pas fou quoi. C'est pas très bon. Bah, je crois qu'il, c'est, qu'il a throw en fait. Ouais. Oh, il s'est troué. Et bah, du coup, nous on va gagner vu qu'il s'est troué. On va essayer. Est-ce qu'on a des trucs qu'on a envie? Non, non, on a besoin de rien d'autre. Hein. Je crois qu'on va y aller comme ça. En fait, Jean Craco, c'est pas très bien, mais il faut le garder pour la fonctionnalité avec Tavernier. Ah, attends, ça fait quoi l'autre côté de Raidan déjà? C'est pas très fou. Ça prévient d'une blessure et si jamais tu deviens la cible, il doit payer un de plus. Mais ça l'empêche pas lui de se cibler. Il tue comment? Bah, en attaquant avec combo. En attaquant avec dragon. Non, mais ça combo où il te tue dans le tour. C'est pas avec le truc qu'il met 1? Il peut, mais. Parce que si tu mets ça, il le gère pas, il a perdu. Bah non, mais il va trouver un autre moyen quoi. Il va gérer tout notre board, il va faire full value, bouncer tout notre board, attaquer avec son dragon, passer le tour avec 10 contre en main. En fait, il est pas obligé de tuer avec son Spikefield Hazard. Genre, okay. faut pas rentrer ça pour Spikefield Hazard quoi. En fait, c'est un deck qui peut combo, mais qui te tue à la value quoi. Ouais. Il te tue parce qu'il pioche plein de cartes, qui fait toutes les boucles qu'il veut jusqu'à gérer tout ton board quoi. Ok. Et non, et en plus de ça, il peut te tuer au Prismari Command. Dans tous les cas. Ah oui, du coup, parce que ça mettra quand même. Ah ouais. Et même s'il y avait que Spikefield Hazard, c'était pas bien. Genre, contre juste rentrer la carte contre son plan de jeu final, alors qu'il peut juste te tuer à la value, c'était pas très bon, je pense. Il peut faire token de bête. Into double tavernier, into bête rapage draw 2, et on est bien. Ah, mais on va le faire. Le, classe, le, on fait... le problème, c'est que ça nous fait perdre nos couleurs, donc. Non, je crois qu'on va pas le faire en fait. Nous fait perdre nos couleurs. Tu peux juste mettre un tavernier et garder les cartes en main aussi pour pas tout donner sur Pyroclasme. Oui, voilà. Ouais, tu fais ça. Non, mais c'est surtout en plus que si on faisait ça, on devait mettre double forêt et que du coup on n'avait pas la troisième. Ouais, mais en faisant comme ça, du coup tu économises tes couleurs. C'est ça. Pas du mal le jeu. Dès que t'as le tracker in tape qui est installé. Ah ouais. Automatique. Voilà. Hop, tu veux voir. Oh! Joli, mais ça il le voit pas, vous le voyez pas à l'écran, vous le tracker. On a les infos cachées. Upkeep il nous tue le tavernier. Alors sans rouge, je vois pas comment il nous le tue, mais il nous le bounce à minima. Il le bounce, ouais. Juste aux F quoi. Fin de tour, on lui fera Krakos face. Mm. Oh, le Krakos. Elle sent bon cette game au final. Hein. Finalement, ouais. Après, c'est pas fini. Non, mais on n'est pas trop mal, quoi. On trouve pas mal à rouge apparemment en face. Ouais, avec 2-1-1, je crois que tu peux faire une bête frappée d'amour. Ouais, je suis partisan même d'avancer dans mon land en fait. Et si par bonheur il est vert, le bonheur étant ultime. Ouais. Le pouvoir sentinelle de Jaspera. Ah, parce que là, il va se mal. Hein. Enfin, est-ce que c'est un deck qui joue des typhons? Je prends le risque de perdre ma main, mais pas le tavernier. Ouais, vas-y. Bah, il joue des typhons en side, mais c'est sûr. Mais alors, est-ce qu'il les rentre? Voilà, c'est, contre nous, c'est sûr qu'il les rentre pas. Mais est-ce que lui est filou et a des typhons main deck et du coup les a gardés? Je ne sais pas. Death de mana rouge. Juste le meilleur deck, quoi. Juste le retour de bâton, parce qu'on garde une main de merde à la une après avoir fait un mulligan. Ah non, mais bien sûr, la 1 on s'est fait exploser. Un mais à la 2, à mon avis, il y a un spot pour gagner et. Wesh. Non, mais à je mon pense avis, que le à deck mon avis. Est imbattable. Ce deck est imprenable. Bah, ce deck est fantastique, il faut le dire. Mais je crois que Jeskai Vadrock, il avait mieux à faire. Parce que je parlais de Jeskai Vadrock comme étant peut-être le meilleur deck, mais celui-là, mais c'est en le fait, vrai c'est meilleur c'est deck. C'est celui de Logan Nails. Chaldis. Et c'est le genre de deck d'ailleurs que j'apprécie à voir jouer. Ouais. Mais que je n'aime pas du tout en vrai. Genre tu bouibouites avec des petites cartes ce et d'un coup là tu gagnes. C'est très énervant. Ah je trouve cool hein. Oh, c'est bien ça. Floridon first. Ouais. Est-ce que tu fais magistrat ou en trafsort? Magistrat ou esprit? Bah les deux si tu me permets. Ouais. Alors, on va faire magistrat puisque esprit on peut pas le trigger là. Du coup. Ouais. Ouais. On va pouvoir en plus en trave sort et du coup qu'il revoit pas sa carte, ça va être bien. Que tout là. Alors ça, les sorties proactives de Sulta Ultimatum en game 1, donc celle où juste où il rampe dans l'Ultimatum, c'est le meilleur win rate de tout le standard. Voilà. Sauf si on lui prend son unique Ultimatum juste maintenant, il ne pourra pas casser. Sauf si on est très très fort, mais bon.
Cultivateur. Hein. Ouais. Oui, juste parce que ça bloque, quoi. Voilà, exactement. Une 3-4 et pour 6, il a vraiment pas envie de le caster. Ah, mais il peut pas, de toute façon. Oui, non, mais il, si j'irais oui. Magistrat, tu vois. Il n'en a pas le droit. C'est un peu genre, bon, celle-là, tu la joueras vraiment quand t'as plus de cartes en main dans 10 ans, quoi. Tu la joueras plus tard. Il prend le Yurion. Ouais, et il a bien raison. On va faire fin de tour ça, c'est pas alors mal. Alors, il a le joueur et disruption. Ah non, il a landé. Ouais, il l'a landé. Ouais. Ok. Bah, juste dans la confrontation des scalds, en fait. On va juste lui scalder la gueule. Oh, scalde lui la gueule. Est-ce que je veux passage merveilleux? On a bottom des trucs ou pas? Il est très beau, ce d'autres cartes. T'as vu? Je l'ai pas. Magnifique, c'est vrai? Ouais. C'est pas Pascal Dime? Je sais pas comment je l'ai vu. Ah, c'est Pascal Dime? J'arrive pas au bout des passes parce que je suis con. Donc, Ah, et du coup, t'as pas le d'autres cartes? Eh ben là, je l'ai pas vu. Et j'ai pas le Chandra non plus. Et j'avais demandé au Wizard d'ailleurs, ah désolé, je l'ai loupé parce que je pensais que ça s'arrêtait à la mise à jour et vous l'avez stoppé 4 heures avant, du coup j'ai pas eu le temps de finir mes deux derniers niveaux. Okay. Est-ce que vous pouvez faire un truc, je paye les gemmes qu'il faut et tout. Ouais. On m'a dit, on a regardé, l'événement est terminé, est-ce qu'on a répondu à votre question? Ouais, double perturbation de Jawari lui. Hein. Ouais. Je suis très déçu, pas eu Chandra. Après, 4 heures avant, est-ce que t'aurais été dans les temps? J'ai fait exprès. Ah d'accord, j'ai fait exprès d'attendre le dernier moment pour dépenser les gemmes parce que j'étais en train de jouer. Et pendant ma game, du coup, je regarde, je me dis, vas-y, je finis ma game, je vais l'acheter. Enfin, c'est giga corner quand même d'être battu à 4 heures près. Hein. Ça m'est arrivé. Et ouais. Je l'ai pas. C'est la vie. Heureusement, Wizard a été top et ils m'ont dit non. Après, en vrai, s'ils doivent rembourser tous les gens. Enfin, tu vois, je comprends aussi la position. Ah, j'ai pas demandé de rembourser, j'ai dit, est-ce que je peux payer pour l'avoir? Oui, oui, mais je comprends la position de Wizard en mode, on fait pas de cas par cas, ah, quoi. C'était chiant, quoi. Enfin, vous avez le temps, entre guillemets, de finir votre passe. Désolé, quoi. Ah, ouais. C'est ma faute, hein. Je comprends que Wizard t'es pas remboursé, mais je comprends que tu sois deg. Bah c'était pas écrit quand ça finissait. Il y avait pas l'heure à l'époque. C'est le tout premier pass. Ok. Du coup, j'étais un peu déçu, tu vois. C'était le premier pass, Kaldheim? Non, Chandra, je parle. Ah d'accord. Et Kaldheim, oui, le Chandra qui brûle. Donc, ouais. Ok, d'accord. La Chandra qui brûle. Chandra qui brûle. Elle brûle. Je peux pas chauffer dessus du pack, moi. Enfin, je le fais, mais avec autre chose. Bah tu le peux avec d'autres decks, quoi. Oula. Putain, le land il s'est mis dans un. Me touche pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Il y a un truc que je vois pas ou on va juste esprit au clairon. Tu veux esprit token de bête? Ouais, je crois. Hein. Après, on perd dès qu'il résout un ultimatum. Hein. C'est la vie qu'on a décidé de mener, mais. Oui, bah de toute façon, on peut pas faire grand chose. Hein. Juste parce qu'il a trouvé un doublon de perturbation de Jawari. Ouais. Le giga boss. Baus. Et Baus. Ok, il a un anti-bet. Ouais. Je sais pas s'il a. Après, non, putain. Il peut pas top decker Ultimatum tant qu'il y a Magistrat de Dranit. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, il a plutôt préféré enlever le beatdown plutôt que s'ouvrir un top deck. Ouais. Par contre, il a pas joué son Yorion le tour d'après. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas comment il a lu qu'on avait une garde à Cross. Ou alors, il connaît juste la liste de Logan Nettle. Ou alors, il a encore une journée de disruption. Bah, ciao. Ça, on va la prendre gore, hein, y a pas de problème. Tu prends bête frappée et Giganta. Enfin, tu joues bête frappée et tu prends Giganta. Ouais. Pas facile. On va commencer à perdre cette game, malheureusement. Ouais. Je pense qu'on pioche. Des landes, ça ne sert à rien. Giganta. Ouais, on peut quand même le battre avec Gardacross, ça serait incroyable. Genre là, qui nous top deck un Gargaroth, ouais, qui nous le pose et ça nous permettrait de faire des trucs pas trop mal. Il y a un moment, joue ton Yorion, mec. Hein. Et il peut aussi jouer son cultivateur. Oh, parfait. Oh, oh. On est re dans la game. Mais quelle erreur! Ah, il vient donc là, tout de suite. Hop là. Blanc. On est in the game. Dommage qu'il soit pas 1-1, lui. On lui a pas demandé d'être 1-2. Hein, non. On s'en foutait, pour le coup. Je t'aurais rentré 5 points, là. J'aime bien beatdown avec des 5-5. Ah bah c'est giga beatdown même. J'aime bien beatdown en général. J'aime me beurrer la biscotte. Il a pas blinké son engeante. Il aurait pu faire plus de mana.
Mana, oui, mana. Oui, c'est vrai. Mana, mana. Ah ouais, bah ah, il pouvait jouer son drop 6, donc bien fait pour lui. Il pouvait jouer les deux, les blinker, les mettre sur des deux landes dégagées. Ah non, il fallait qu'il trouve un land, pardon. Oh, c'est marrant ça, tueur de géant. Bah, mais tueur de géant, on va le garder pour son Gargaroth quand on va lui rendre, je pense. Oui, parce que là, de toute façon, tu peux attaquer. Si à moins que. Non, on peut le poser, hein, cela dit. On peut le poser une fois qu'on a tué son Yorion, je dis des bêtises. Attaque. Ouais, tu peux le poser, mais attaque avec Ancêtre d'abord. Parce que s'il bloque, t'as juste ton tueur. Ouais. À garder. On va dans Roux. Une bonne carte. Non. C'est une bonne carte. Un land. C'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte de Magic. Ça te permet de jouer les autres cartes. Mais le problème, c'est quand t'as pas les autres cartes. Aïe aïe aïe. Ouais, du coup, on va. On va tueur de géant, ça bouse. Hein. Ouais. Je mets tout, moi. Ah, mais tout. Je mets tout. Je gagne le tour d'après, là, je suis fou. Ouais. Et ça, je le garde au cas où. Ouais. Oh. Tu vas être obligé. Si tu le tues, il peut rejouer un Yorion. C'est un peu chiant. Après, il en a pas, hein, dans les decklists. Ça joue pas Yorion. Ah oui, il y en a zéro ? Non. Ouais, je pensais qu'il y en avait un. Après, les gens sont libres de mettre ce qu'ils veulent dans leur decklist. Les gens, voilà. Mais je sur vais le ladder, ils sont coquins. Je vais tourner autour de ce que je connais, pas de ce que je. Pas de ce que je connais pas. Pas de ce que je connais pas, tu vois. Pas de ce que je. T'as perdu, frère. La tech, là. On vous en a parlé de la Gardacross, là. Ouais, on lui rend, hein, le Gargaroth, non? Ouais, mon voiture de gens. It's very nice play. C'est comme ça qu'on dit. Oh, Redan, c'est bien ça. Cercueil de verre. Mais 3. Ouais. Et la bagarre. Eh ouais. Eh oui. Se battre bec et ongles, ça fait sacrifier le Yorion. Buff, parce qu'on aime piocher les gardes. En fait, tu rends tout. Hein. Il est trop bien, side. Il est parfait. Qu'est-ce qu'on en rêve? On en lui une comme ça, parce que c'est froid. On tue une. Garde accro, il faut bien garder. Géant, ouais, tu peux cutter 2. 2, mais des fois, j'aime juste bien. Pof, la poser comme ça, là. Comme un sexe, tu vois. Paf non, pas du tout. Et 4-3 du coup, tu vois, genre t'arrives tour 3, tu mets 4-3, il a pas de gestion et ça le met mal quoi. Ouais. Est-ce que Magistrat c'est pas moelleux, vu que ça bloque complètement son plan de jeu? Ça a l'air hein. Je crois que c'est géant, mais du coup on se retrouve avec 8. Ouais non, j'ai pas envie de descendre en dessous de 10 aventures. On va être sur la draw. Non, c'est pas tout le temps bien. Ah, c'est ultime contre lui. Ultime. Mais cette liste, elle est ultime en vrai. Gardacross, on a besoin des deux après side. Ouais. Il met plus de Gargaroth. Bah, il en a pas main deck. Il en a trois entre le main deck et le side quoi. Mm. J'enlèverai un Floredron et je descendrai à 24 landes vu qu'on est sur la draw. Allez. Ça me choque pas. Genre, quand t'es sur la draw, t'as le droit d'avoir un land de moins. Et surtout que dans un match-up qui va nous laisser le temps d'aligner nos landes, parce que c'est un peu un mid-ramp, un deck contrôle. Contre aggro, t'as envie d'aligner tes landes tout de suite, mais genre là, c'est acceptable quoi. Et elle est pas très bien, on va la garder. Hein. Ouais. Bah, elle est dans de bonnes cartes qui se curve quoi. A bien fait que t'aies un Floréro, hein, du coup. Parce oui. On fait que ça de piocher des landes, hein. C'est ouf. Mais au moins, on va pas death. Pas des sous. Et quand tu fais une death, tu dis bon, au moins, on a plein de cartes à jouer quand on a des landes. Regarde donc ça, là, on lui fait une sortie. Positive attitude. Rampage. Rampez-vous. Là, on peut. En vrai, on a des plaies, tu vois, on va pas se plaindre. Là, tu fais entrave sort, un point. Ton prochain. Ouais, on peut aussi top des cascades dès le mettre au fond, hein. Oh, on l'a vu sur Yorion qui vient de prendre. Tu dis non, tu le reposes. Non, monsieur. Allez, le jeu. Sois pas cassé. Allez, comme le ça. Jeu. Qu'est-ce qu'il y a dans sa besace? Oh, la main de porc. Est-ce qu'on n'enlève pas emprisonnement qui fait anti-bête en plus de le trouver un land? Parce que là, il a pas de land. C'est vrai. Enlever n'importe quoi d'autre, c'est. C'est pas bon. C'est désuet, je trouve. C'est trop tard. Ouais. Aussi, il y a Gargaroth qui était. Quel énorme port. Mais Gargaroth, on va le piquer avec notre top deck, gros. Ah ouais? Ouais. Okay. Tu vas voir, je te montre. J'y crois. J'y crois à mort. Ouais. C'est la chance de ma vie. Regarde donc. Après, Gargaroth, il bloque pas en Trafford d'élite. Si. Il a porté. Regarde, dis donc.
Ouais, je vois. Regarde, regarde. Ça, c'est une leçon pour finir ton passe de combat. Ok. Regarde. Putain! Non, c'est bon du coup. Regardez Non, mes je gemmes. finirai pas du coup. Je ne finirai jamais mes passes de combat. On va estimer que ce bloc-là l'emmerde. Et qu'il trouve pas d'autres manas. Je suis dans une estimation large. Avec acte cruel? Ça, gros, il n'est pas obligé de le voir. Oui, c'est vrai. Regarde Je crois donc. qu'on prend 6. Hein. Regarde donc comment je prends 6. Eh oui. Je bug avec tout. Comme ça, on se row. Oh, le sro. Bonne carte, ce Gargarotte. Hein. C'était quoi la bête verte qui était plus forte que Gargarotte avant? Je sais plus, mais il y en avait une autre. J'ai un gros drop 5 vert, là, c'est Ouais, fort. comment elle s'appelait? Je sais plus. T'as vraiment plus le nom ou pas? J'ai plus, non. Quelle est la carte qu'on jouait à la place de Gargarotte, qui était une carte qui nous faisait temporiser contre les aggros? Ah, dans le chat, dites-nous, je me souviens plus. Dans le chat, imaginez. Hein. Dans le Dans les chat, dans les commentaires. commentaires, pardon. Tu sais quoi, je vais faire une recherche. Parce que je suis abattu par cette sortie dégueulasse. Laver. Il y avait quoi comme deck qui jouait ça? Bah tous les decks avaient un drop vert après side qui était assez cossu. Si je tape Bant, Ouais, Bant Midrange par exemple. Bant Midrange standard 2020. Te prends en version Strasky, il l'avait pas mal popularisé. Est-ce Je qu'on garde garde ça. cette main? Oui. Tolzimir en jouait. En l'état, je me souviens contre Chafour, c'était super Ouais, bien. mais il y avait un drop 5 vert juste. Genre, il était juste vert. Bon, il n'y a pas de prénom. Les deux derniers mois, Alors. ouais, tu trouveras pas. M19, Tower of the Spark. Non, c'est Non, M20, après. Toldrain. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Bande contrôle. Bande rampe. Ça veut déjà dépater ça, bande rampe. Ouais. Gargarotte, non, je suis déjà. Après, on jouait Uro à l'époque, donc on s'en foutait de Gargarotte, hein, globalement. Mais non, mais il y avait un autre Porcassou qu'on Je avait envie de cherche le jouer, ouais. pâté. Tu Looking cherches le for some pâté? pâté. Bande Nexus, il devait jouer en pâté. Non. Ça, c'est loin, Bande Nexus, parce qu'on pouvait jouer les tyrans à l'époque. Là, j'ai que des golos, Scapeshift, Bant. Mais j'ai pas, genre M20 Eldraine, il y a déjà Gargarotte, et avant M19 Tower of the Spark, il n'y a pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas ce qu'on jouait. Gros. Ça me revient pas. M20 Tool Drain, on va voir. Dans les anciens decks. Quand il n'y avait pas encore M20. Ah, je vais trouver, je te le dis. Ouais, ça m'intéresse hein, que tu trouves. Hydroid Krasis. Bah ça fait un peu l'effet, ouais. En juin, il n'y avait pas encore M20. C'est quoi la decklist avec Mangara là? Là, t'es sur de l'obscur. T'es sur du giga obscur. Qui joue ça? Je pense que c'est Gargarotte hein, en fait. On estimait qu'il y avait un autre pâté vert avant, mais à part Carnage Tyran, Hydroid Krasis, les trucs que t'as cités, je vois pas quoi. Oh, je fouille, là je suis au mois de mai. Mais attends, il n'y avait pas Yorion à l'époque. Si, dans l'ancien standard, avant la rotation de septembre, on jouait Orion. Puisque Ikoria, c'est. Ça part. J'ai menti, je le trouverai pas. Oh, mais Dommage. pendant que je reviens, il était en train de le saucer menu là. Ouais, après je prends Vrasfort, mais j'ai pas une main qui me permet de tourner autour. Eh, il faut y aller, hein. Ah, ben là. Mais là j'y vais. Hein. Genre là, laisse-moi te Oh. dire en plus que ça Vras, si c'est là où je pense. Ouais. Et moi, je sais à quoi tu penses. Tu sais où je pense? Ah, ouais. C'est dans le sideboard. L'endroit Qui voit jamais la lumière. l'endroit qui voit jamais la Oh, quoique lumière. avec Instagram en ce moment, Ça peut c'est voir une la mode. lumière. Ouf. L'endroit qui est posé sur ma chaise. Bon, comme si on avait le choix. Non. Oh, Je ris comme et un attaque méchant de avec tout, film. sauf avec ta sentinelle de Jasper. Bah non, j'attaque qu'avec ça, je crois. Ah, je reviens, je te trixe la balle. Voir si t'es solide sur tes appuis ou pas.
Là, ça va, je suis solide. Avec ce tueur de géant, je pense que je suis pas mal solide. Ok. Je suis plutôt solidus. Là, il fait Gargaroth en mode, ok, j'ai juste un Iron Blockers. Et on fait, non. Non, juste non. Non. D'ailleurs, est-ce que tu le tues pas à ton tour? Je ne crois pas, non. Pour faire un esprit, enfin double esprit sur Espiro Clairement. Ouais. C'est mieux, non? Je ne crois pas, non. Je déteste les gens qui font ça. Tu sais, tu dis un truc et quelques... Quoi? Il y en a peu? Plein de gens qui font ça. Je ne pense pas, non. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop, que j'ai découvert récemment. Avec une moue au préalable, parce que dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais ça, c'est des gens méchants. Legit, mais je ne crois pas. Non, non, personne fait ça. Ouais. Dédaigneux, mais gros, 100%. Mais personne, comme tu viens de le faire, personne ne le fait. Des profs font ça, mec. Ah non, mais prof, avec une autorité, y a un bail. Mais genre, en discussion, genre, on parle, tu fais ça, tu n'es plus mon ami. C'est très rapide. Je ne crois pas. Sûr, vous ça voyez, arrive. Ah bon, bah voilà, des... il n'est plus dans mon cercle. C'est très dommage. Oh, Sougo, vous voyez des gens qui font ça, c'est sûr. Oh, pète-lui ce Gargaroth, là. Pète-lui le Gargaroth. Je lui pète son Gargaroth. Et moi, il y a un truc que j'aime pas du tout. Ouais. Mais genre, je peux pas le dire aux gens, tu vois. Oui, bah. Et ils le font, c'est juste. Moi, je trouve ça un peu irritant. C'est la vie. C'est les gens, par exemple, ils font un espèce de prank à quelqu'un. Et là, tout le monde se demande s'ils le font. Genre, imagine, on parle tous les deux. Et il y a quelqu'un d'autre, tu vois, à côté, mais qui ne me voit pas. Ouais. Et je dis un truc sur cette personne en mode ah, oh, bah lui, de toute façon, c'est un bout en train, alors que c'est pas du tout un bout en train. Ouais. Et je te regarde et je fais ça, tu vois. En tirant la langue, en faisant un clin d'œil. pour faire genre, hey, je fais un prank. Gros, les gens font ça. Je te jure que j'ai cru que tu faisais un AVC, gros. Non, non. Genre paralysie faciale. Mais personne ne fait ça. Si, mais j'ai vu des gens. J'ai vu des gens de notre travail faire ça. Et sache que c'est un gimmick comme un autre, tu vois. Enfin, genre, je sais genre, pas, un truc, t'as gagné, bien joué. Comme ça. Ouais, genre, exactement. Exactement. Et tu vois ça. C'est le clin d'œil le plus forcé du monde. C'est, voilà, c'est trop. On comprend avec le ton. Genre, voilà, un petit clin d'œil. Le clin d'œil suffit. Mais ou alors le tirage de langue. Non, non, mais ça c'est bizarre. Il faut pas. Ça, c'est bizarre. Genre, t'imagines, tu fais une petite blague et tu fais ça après. Mais non, c'est des méchants de manga, gros. Mais oui, c'est Orochimaru qui fait oh, ça. Oh putain. Ne tirez pas la langue, s'il vous plaît. Enfin, faites-le, faites ce que vous voulez. Mais j'ai jamais vu personne faire ça. Mais par contre, j'imagine des gens faire ça. Eh oui. Genre vraiment. Exact. C'est pas possible. Mais ils le font très rapide, tu vois, genre. Allez, moi, si quelqu'un fait ça, je lui fais comme ça sur la tête. Je lui tire la langue. Je lui tire la langue et je lui claque la tête comme ça. Comme ça, je garde la langue. La violence. Tu vois ce qui peut t'arriver quand tu fais ça? Il faut surtout pas le faire. Tu lui prends la langue, tu fais bap bap. Attention. Vraiment comme un maître d'art martial, tu vois. Et la personne est en mode. Et tu la traînes. Non, fais pas ça aux gens. Fantastique. Faites attention à. Mais je pense qu'à la fois ton scénario ou mon scénario arrive très rarement, mais 100% dans les commentaires, il y a quelqu'un qui connaît les deux, tu vois. Et peut-être que quelqu'un fait la même chose. Non, je ne crois pas. Ah bah là, cette personne-là, il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle change d'identité. Le pied bouche. C'est pas possible de cumuler, tu vois. Fin de cette vidéo, on a bien rossé, c'était cool. Oh là, déclare le mec. Bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est l'inscription avec notre chaîne Twitch, Play Magic, rien à faire. N'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.